Bonjour tout le monde, ici Pika Fixé pour un autre épisode de Star Wars Jedi Fallen Order. On s'est fait péter à gueule dans l'épisode. Parce que j'avais plus de ressources vraiment, mais bon. Je vais me venger. Maintenez la poussée pour permettre à Cal de propulser des groupes d'ennemis. Ouh. C'est moins extraordinaire que je pensais, mais ça va faire déjà. Mes batteries sont correctes. Let's go. J'ai pas envie de me battre contre lui encore. Timing parfait, très fort obtenu. Ouais, je retourne où est-ce que je suis mort. Hein. Il y avait pas mal de coffres, par exemple. Ça va être intéressant. Calice. Calme-moi. Soldats à l'armure rouge et noire, tout comme sur Braca. Un Purge Trooper. Leur unique but est de chasser les Jedi. Oh! Purge Trooper à électro-bâton. Armé d'électro-bâton, il peut déclencher des séries de frappes rapides, mais devient vulnérable après l'attaque initiale. Combattant âgé sur nous, il riposte en esquivant et en parant les frappes reçues. Le menaçant Purge Trooper sert d'Inquisitorius. C'est l'Inquisitorius de l'Empire Galactique, avec pour unique objectif la traque des survivants du perfide Horde Jedi. Peu nombreux agissent dans l'ombre. Peu nombreux agissant dans l'ombre, ces soldats impériaux spécialisés sont dotés d'une multitude d'armes et d'équipements. La plupart des citoyens de l'Empire ne sont même pas au courant de leur existence. Les Purge Troopers sont passés experts dans les maniements de l'électro-bâton, ce qui fait d'eux des adversaires redoutables et extrêmement agiles. C'est possible, mais on est loin de Braca. Ils pensent peut-être que les Purge Troopers suffiront. Ou alors il s'agit d'un piège. Reste sur tes gardes. Si de fouille. Ok. Mais on a des coffres. Oh, ok. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans?
Nouvelle apparence pour BB1 obtenue, Bestine. Oh, c'est quand même nice ça. Nouveau matériau pour sabre laser, Seracote. Je sais quoi. Pas ça mange en hiver. C'est une très belle découverte. Je vais devoir l'évaluer en personne. Okay, on peut ouvrir ça. Okay, ça nous ramène ici, parfait. Je peux aller au bord d'ici, voir ce qu'il y a ici. On peut faire ça. J'aime pas les purges tout peu, on va te le dire tout de suite là. Je trouve qu'il est gros, mais il fait pas de dégâts. En tout cas, c'est ce que je trouve. Je trouve qu'il fait pas de dégâts pour un gros monstre. Lâche-moi! Ok, ouais, c'est moi qui cave. Ok. C'est moi qui est moi-même en fait. Est-ce que je peux ouvrir eux autres? Il faut que je refasse toute la map, essayer de trouver toutes les coffres de même. Oh, il y avait quelque chose là-dedans. Acétron. C'est de l'acétron, tout le monde. Vous savez, c'est quoi de l'acétron? Moi, non. Ok, ça, ça amène. Je sais pas trop. On va prendre le. Tout va bien. Je sais que je devrais crisser mon camp de site, mais j'aime tellement ça explorer. La musique me dit que c'est une belle place. De fouille. J'en ai pas lu ce qui est marqué. Ces scies de fouille ont été conçues par l'Empire pour découper la croûte planétaire, lui donnant accès à des secrets enfouis à des milliers de kilomètres sous la surface. Équipement de fouille. De l'équipement de fouille impérial, la couche de poussière qui le recouvre, sujet qui n'a pas été utilisé depuis longtemps. Très étrange. Il y a une petite porte ici. Il faut pirater cette porte. On peut aussi faire comme ça. L'effondrement l'a tué.
Les fouilles effectuées par l'Empire fragilisent ces tunnels. Son armure est à chier, là, peut te le dire. On voit des montagnes par là-bas. Est-ce que c'est une bonne affaire? Si je vais trop loin, il va sûrement me mettre de quoi que je peux pas passer de toute façon. Fait qu'on va explorer le plus qu'on peut, puis. Cal dévie automatiquement les tirs de blaster lorsqu'ils prennent ou qu'ils courent sur les murs. C'est cool ça. Est-ce que je peux pas comme une vieille odeur d'huile. Mais non, BD, pas toi. C'est cette eau. Ça a l'air très vaste. Je vais aller voir par là-bas. J'ai l'impression que c'est pour descendre par là. C'est pas bon signe, ça, là. Ce tunnel s'est soudain rempli d'eau. Qu'est-ce qui a pu causer ça? T'as vu? On dirait que l'Empire n'est pas notre seul problème. La joie ont érigé un mémorial pour les clones du Venator. S'ils avaient su la vérité. C'est que j'aime pas ça. Mais eux autres sont pas trop difficiles à tuer, je veux dire. Il y a quelque chose qui manque. Il y a un objet qui me manque, quelque chose. Je peux pas vraiment aller là. Comme un fil qui manque. Mais je peux monter là.
une autre habilité qu'il va me falloir. Intéressant. Je peux-tu sauter là? Chose là-dedans. Hyper carapace. Ouais, quand même, nice, ça. Imaginez s'il y a une créature marine. Ce serait fou, hein. Bon, on a le gros Chris là. Hey, Billy Bob. C'est quand même très facile à tuer. Je me plaindrais pas. Comprenez-vous? Je pouvais scanner quelque chose, ça, je pense, non? Quoi? Wow! Crise de vermine. Hé, hey, Grise, t'es occupé? Eh ben, j'ai essayé de regarder. Enfin, non, rien de spécial, non. C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je me trouve devant les épaves de deux vaisseaux. Apparemment, t'es pas le seul pilote à avoir souffert du vent. Oh, ça te surprend vraiment? T'es long à la détente. Personne s'en sortirait mieux que moi, tu sais. Ouais, ok. En fait, je voulais juste te remercier. Écoute, tu sais, y a pas de quoi, petit gars, mais je dois vraiment filer. J'ai un truc que je dois... À plus. Tant que ça c'est pas allumé, je pourrais pas aller là. Il doit y avoir une habilité qui va me permettre de... d'activer ce genre de batterie là. BD1. T'es où là? Ça va où là? Oh, une autre fleur! C'est vrai, faut que je. Ça ressemble à la fourrure de Grise.
aussi faire comme ça. Qu'est-ce que c'est, BD1? Nouvelle apparence pour BD1 obtenue. Moto Jet. C'est beau. Ça, c'est nice. Moi, je les mets toutes. Je suis comme, oh, c'est nice. C'est nice. C'est tout, c'est nice. C'est tout. C'est tout. Ça, c'est un robot impérial. Je l'ai pas scanné encore, celle-là. J'en ai tué un, mais il est tombé dans le vide. Vous savez, tout ça, les sites, là. Ça amène ici. Right? Mais faut quand même que je redescende là. C'est clair que ça amène là, mais. Il faudrait que je remonte. Je veux pas. Juste pour les portes qui sont là. Une créature que j'ai pas vue dans cette place-là. Un droïde sonde. Il nous surveille, BD. Droïde sonde. Certains droïdes sont peut-être en mesure de pirater leur système pour les contrôler, peut-être manipuler et utiliser en tant qu'arme. Le sinistre droïde sonde impérial, également appelé droïde de reconnaissance, est une unité d'exploration et de reconnaissance déployée par l'Empire Galactique. Cette sonde au blindage léger est dotée de 6 bras manipulateurs partant d'une capsule centrale de plusieurs bras rétractables permettant de collecter des échantillons. Son noyau cérébral se compose de capteurs et de récepteurs haute résolution. Capteur de mouvements acoustiques, soniques et sismiques, d'un radiomètre, d'un outil d'imagerie par résonance magnétique et d'une caméra holographique. Il dispose également d'un capteur d'atmosphère et reste en vol stationnaire grâce à un générateur de répulseur lui permettant de se déplacer sur la plupart des terrains. Son objectif principal est la reconnaissance et la surveillance des menaces potentielles contre l'Empire, notamment les insurgés, les fugitifs et les cibles spéciales. C'est magique. Il y a une créature, je sais pas c'est quoi qui manque. Ça, il y en a 4 que j'ai pas vu. Moi, je dis qu'il y a un genre de boss quelconque. Mais quoi? Ça marche aussi, je pense. Je peux faire descendre ça. Ok, on a raccourci. Ah, shit. Aucune idée, je m'en vais. C'est vraiment, vraiment vaste, ça.
Ce truc a besoin de courant. On va avoir 3 points de vie de plus. C'est un sabre laser qui a tué le commandant. Ouh, il y a un survivant Jedi. Ou Sith. J'ai l'impression qu'on va revenir dans ces planètes-là, dans découvrir d'autres places, pis c'est juste moi qui est comme un peu extrême. Là. Je sais, je fais de la progression quand même, je veux pas, on fait de la progression. Là. Peut-être pas dans l'histoire, mais on fait de la progression exploration. Tourne dans la caverne. On va nager. Je vais sortir par l'autre chemin. On va descendre en fait. Oui. On va monter par là. De fouilles impériales. Ils sont allés bien plus loin que ce qu'on pensait. Il y a plus important pour l'instant. Les impériaux savent que tu es le Jedi de Braca. Ils recherchent le Mantis en ce moment même. Le Mantis peut pas bouger? Démarrer le moteur serait trop risqué. Sa décharge d'énergie attirerait immédiatement leur attention. Je reviens aussi vite que possible. Que j'aurais pas dû monter là tout de suite. Je vais faire le tour. Tenez bon, je suis en chemin. Je reviens. Je vais continuer à explorer. Wow, 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 le boss, c'est toi. Allez, Jedi, affronte-moi.
Il faut que je trouve les coffres que j'avais pas pognés. Survivant. Place à l'action. Vite. Comment tu vas avoir affaire à moi maintenant, Jedi? J'aime qu'ils sont si optimistes. Je suis pas venu ici, moi, la dernière fois. Qu'est-ce que c'est? C'est un shortcut. Mais faut que j'escalade toute la montagne, là. Je veux pas. Je peux pirater ça. Tout va bien, BD1? Oh, ok. Quelque chose d'utile? Nouveau matériau pour sabre laser obtenu du rite. 48% exploré. 22 sur 43 coffres. Mon Dieu, il y a bien de stock. Que je remonte tout ça.
C'est un raccourci, ça? Je m'en rappelle plus. Je crois que oui. Il est dur à suivre. Tu mourras pas. Reviens ici, lâche. J'ai un point de compétence, youhou. Ah, tu vois, gars, je pensais que je pouvais passer par là, mais ça n'a pas l'air. C'est quoi qu'il y a là? J'aime rien. Pourquoi j'ai... Ah mon dieu, me disais tout, il y avait devoir quelque chose de caché. Où es-tu? On ne peut plus t'attendre. Je suis désolée. Je pense que je suis pas mal proche de où est-ce que j'étais là. Ennemi en approche. Oh, je peux y arriver. Je vais devoir prendre le relais. Je savais que ça finirait comme ça. Pratique pour que je fasse un petit peu plus souvent. Il faut pirater cette porte. Doucement. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Nouvel interrupteur de sabre. Puis une énorme porte au fond. C'est verrouillé. Merci. Question, si je veux ça, là. On peut pas passer. Ne vous préoccupez pas d'un artefact manquant. Je m'en chargerai moi-même. On va voir ce que je peux mettre. Récupération de force améliorée. Cela, Cal regagne plus de force lorsqu'il élimine un ennemi et regagne un peu de... Ah, oh, c'est pas mon dégât, c'est ma force. Je suis sans dessein. Bravo. Plus de force lorsqu'il élimine un ennemi et regagne un peu de force lorsqu'il touche un ennemi en garde.
C'est moi qui est sans dessin là-bas. Mais vraiment, moi dans ma tête, oh, la porte, on va faire plus de dégâts. T'es-tu méchant, toi? Allô? Oups. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Je pensais qu'il était menaçant, mais il l'est peut-être pas, finalement. Hé, hey, BD1? Je m'assure que ça va. L'ascenseur ne peut pas être appelé d'ici pour l'instant. J'ai tué un pauvre petit R2-D2. Tu connais des blagues, BD? Je sais pas. Pourquoi? Classique. Ça va. Regarde pas en bas. Je sais pas pourquoi je vois là, honnêtement. Parce que j'explore et j'adore explorer. Lâchez cette pauvre bête, enfoirée. Hey, je te sauve! Je commence à la voir tranquillement, pas vite. Je dis ça, mais je vais me faire violenter vraiment intense pour quelque chose de nouveau. Là. Hello? Encore un mur. Un autre dispositif dont je ne peux rien faire. Calice. Tim serait bienvenu. Le Jedi est là. J'ai pas besoin. Parce que je pense pas que je peux aller plus haut que ça, là.
J'ai le slow, j'ai le pouce, mais j'ai pas le attire. C'est ça qui me manque. Ça, c'est l'ascenseur pour descendre. Ok, raccourci débloqué, c'est toujours. On peut pas passer. C'est pratique. Fuck, qu'est-ce que c'est ça, Carlis? Te vois. Tremble. Je prendrai ta vie. Qu'est-ce que c'est ça? J'aime pas ça. Aïe aïe. Vite, aide-moi. Beau travail. Commandant Purge Trooper. Encore plus dangereux de loin, rapprochez-vous rapidement. Évitez les grenades de choc ou renvoyez-les vers les Stormtroopers à proximité. Agent de l'Inquisiteur Zeus, les Purge Troopers, c'est une version plus élaborée. Sont chargés par l'Empire de traquer les survivants du perfide Horde Jedi opérant dans l'ombre et soutenant les Inquisiteurs à travers la galaxie. Leur mission clandestine est inconnue au plus grand nombre, même dans les rangs de l'Empire. Ces unités spécialisées ont suivi un entraînement intensif, se sont dotées de nombreuses armes, mais privilégient leurs blasters et des grenades de choc. Je trouve moins rough que d'autres. Hello there! C'est quelqu'un? J'ai l'impression que je vais pouvoir attirer ça pour aller au bord. Mais nous ça, Calis? C'est pas la zone de lac? Oui. Et nous revoilà dans la zone de lac. Ok, là on a un boss. On a clairement un boss. Qui arrive dans pas long. Oui. Ok, je pense que j'ai fait le tour de cette place-là pour l'instant. C'est vraiment partout où est-ce qu'on pouvait. Maintenant, on s'en va là. On va aller sauver le vaisseau. Let's go!
C'est quand même vaste. Je sais pas si toutes les maps vont être de même. La question, elle me demande, est-ce que je peux dévier les lasers d'un AT ST? Un ATT? Peut-être garager ses bombes. Oh oui, je peux faire ça. Un TSTT. En ce moment, dans l'ordre de celle. Donne-moi un skin. Je vois plus. T'as mon assisté. Je peux te scanner.
Ça me dit qu'il y avait juste un dude dedans ça. Oui, c'est vrai, il y en a juste un. Test était vulnérable au sabotage de ses propres grenades et missiles. Ses pattes sont vulnérables. Le transport de surveillance tout-terrain, TSTT, parfois appelé bipod de surveillance, est un marcheur bipède léger pouvant accueillir deux personnes et utilisé par l'Empire Galactique pour soutenir ses unités au sol. Il est souvent utilisé pour les missions de reconnaissance rapide et afin d'éliminer les cibles trop petites pour les TBTT. Plus imposant. Il est équipé de canons blasteux ayant une portée de 2 km et de canons latéraux armés de roquettes et de grenades à concussion pour neutraliser les véhicules ennemis et les troupes du sol de proximité. Ça a bien été. Pas trop difficile, ça. Combat facile. Combat très facile. Je m'en vais dedans, là. Allez, on se barre, les amis. Joli boulot, ça, petit gars. Eh, hey, tu te débrouilles pas trop mal, tu sais. Ah. Mais s'il te plaît, dis-moi qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. J'ai trouvé la tombe d'un sage Zepho. Ils utilisaient bien la force. Une civilisation d'utilisateurs de la force mystérieusement disparue. Je comprends pourquoi ils obsédaient tant Maître Cordova. Qu'as-tu trouvé d'autre? Avant de disparaître, les Zepho sont allés sur la planète Kashyyyk. Wow. Cordova a eu un ami Wookiee, Tarful. Il faudrait qu'on le trouve. Kashyyyk ? Écoute, c'est vraiment le bazar dans ce coin-là. Et l'Empire fait pas dans la dentelle avec les Wookiees. C'est de l'acharnement ! Alors il va falloir qu'on se batte. Je crois que cette vie te correspond. Affronter ce marcheur semble t'avoir donné confiance en toi. Alors, dis-moi, comment tu t'en sors ? À propos de la Force ? Oui, de la Force. Tu m'avais dit qu'elle pouvait te submerger. Je me suis pas encore fait tuer. Je préfère pas en parler. D'accord. Je comprends. Bien plus que tu le crois. Pourquoi avoir choisi de vous couper de la force? Quand la purge a commencé, et que nos clones s'en sont pris à nous, ma Padawan et moi avons emmené plusieurs novices en lieu sûr. Mais ça n'a pas duré longtemps. Une patrouille impériale s'approchait de notre cachette, alors j'ai essayé de les éloigner de ma Padawan, Trilla. Elle est restée avec les novices. Mais ils m'ont prise. Et ils m'ont torturée. Ils voulaient savoir où étaient les autres et combien ils étaient. Mais ils voulaient surtout en savoir plus sur Cordova. Et où il était. Vous vous êtes échappé. Oui. Il y a eu une émeute. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Mais ils m'ont presque brisée. Et je n'ai plus jamais été la même, Cal. La Padawan. Elle est toujours vivante? Non. Voilà pourquoi nous devons continuer. Il ne faut pas que ceux à qui l'on tenait soient morts pour rien. Je dis tout de suite, la Padawan, c'est la fille qu'on a vue au début, là. Je suis certain que c'est ça.
Un instant. Je tente de rassembler mes pensées. Je suis sûr que ça va être ça. Putain, on a des plus de graines. On va être heureux. Ok. On a un point, puis on peut modifier notre épée laser. Couleur de laser, je suis très satisfait. Et nous, Corva, est-ce que je vais avoir de votre volonté? J'avoue ta balle. En gros, ça, c'est les bouts qu'il y a. J'ai un bel Magnus à date. Durite. Oh. Aha, badass. Puis on va faire un level up. Je crois que je peux. Ça coûte 2, ça coûte 2. On peut prendre ça ici. Estou retardé. En retardant son attaque après un coup de sabre laser, Calp effectue une attaque spéciale à plus grande portée. Carré plus carré. Oh. Ok, on a terminé cette planète-là pour l'instant. Fait qu'on va retourner à la première planète. Prochain épisode, on va faire ça. Moi, je vous dis merci d'avoir été à tout le monde. Pika pika à tous. Et à la prochaine.